I'm a Barbie girl in a Barbie world. I'm a plastic, it's fantastic. You can brush my hair. Oh, bonjour, ici Bruno Tremblay pour Atomic Fusion, la chaîne YouTube et aussi on fait des t-shirts. Un vent de folie partout. C'est la partie 2, en fait. Il y a fait notable et honorable. Il y a beaucoup de PNJ qui sont bizarres dans mon monde. Il y en a un qui s'appelle Teddy. C'est un genre de super-héros avec un suit en nounours, mais il ressemble. Il a la shape à Hulk. Il y a un des chums qui l'a designé, mais il me semble que je vous en ai déjà parlé. Teddy, à chaque jour, il va voir sa nièce qui est comme simiesque, parce que lui, il est comme plus gorille nounours, en fait. Puis, c'est ça, elle, sa nièce, plus un singe, sa nièce est dans le coma, elle est en train de mourir, en fait. Il y a ça. Il y a aussi une autre situation que je ne me rappelle pas, que ça va peut-être m'en revenir. Mais en attendant, je vais parler de Noël. J'avais fait une game spéciale Noël. J'en ai parlé aussi. Je l'ai raconté de long en large. C'est quand même... c'est le fun. Des parties de jeux de rôle qui fit dans ton histoire. Que finalement, tu prends ça, tu dis « Bon, ben ok, c'est Noël. » C'est Noël de A à Z. Le monde se faisait attaquer par des Pères Noël Ninja. C'était vraiment cool. C'était une bonne partie de fun. Il y a aussi quelque chose que j'ai pas raconté à personne. Parce que j'aime bien prendre mes idées dans des trucs plus underground ou que le monde se rappelle pas. Trois quarts du temps, ça arrive. Dans mes parties, il y a des bateaux volants. Des bateaux volants que le monde se demande, OK, comment ils fonctionnent? Oui, j'ai fait un guide pour, disons, bravo, vous avez acheté un bateau volant, puis j'explique tout à l'intérieur, comment ça marche et tout et tout. En fait, comment ils fonctionnent? C'est qu'à l'intérieur, il y a de la zéphyrolite. La zéphyrolite, la zéphyr, c'est un vent doux et agréable. La zéphyrolite, c'est une pierre bleue qui est super lourde, elle reste au sol, elle bouge pas, mais si elle est parcourue d'un courant électrique, la pierre lève, elle flotte. La partie de pierre bleue qui flotte, ça, j'ai pris ça dans la série de Peter Pan à l'époque. Peter Pan en animé genre japonais. L'histoire, ben, c'est ça. Ils se font un bateau volant avec des pierres bleues, puis à cause des pierres flottent, ils peuvent avoir un bateau volant. C'était cool là-dessus. Donc là, j'aimais le concept. J'ai repris la pierre en question. Il y a aussi, ben, il y a des réacteurs sur le bateau volant pour qu'ils puissent avancer. Fait que, tu sais, c'est comme ça aussi. Ben, tu sais, l'essence en tant que telle, l'essence dans mon monde, ça n'existe pas. Fait que là, il a fallu qu'ils prennent des plantes qui réussissent à demander à quelqu'un de faire de l'essence avec, etc. Puis, tu sais, quand t'as du monde qui vient de plein de dimensions, tu peux te ramasser à tomber sur un pourcentage de personnes qui peuvent faire qu'est-ce que tu veux faire, en fait. Et là-dessus, c'est cool aussi. Ouais, les bateaux volants. En fait, dans les games aussi que j'ai fait, j'essaie d'en plugger un à chaque fois. C'est toujours le fun. Ça fait un moyen de transport qu'il n'y a pas de trafic, qu'il n'y a pas de véhicules à gérer. Puis ils sont pas mal les seuls à avoir ça. C'est cool aussi pour ça. Dans une des parties aussi, c'était appartenait à un vieux personnage que le gars il a fait bon, ben ok,
je vais pouvoir vous le vendre. Puis en échange d'un concours de beuverie, je pense que le gars était mort à cause qu'il était trop nu, trop attiré. Puis les joueurs sont peut-être un peu foutus. Mais tu sais, c'est que les PNJ, il y en a qui sont, tu sais, je veux dire, discartables, tu peux t'en débarrasser facilement. Ça, c'est dans les trucs qui arrivent. Ça fait pas le tour. Faudrait que je refouille encore dans mon cerveau pour trouver à peu près les PNJ qui sont un peu fous, qui ont juste pas rapport. Il y en a que j'ai pensé, j'ai créé dans ma tête, puis j'ai fait, je les ai pas encore plugués, je les ai pas encore utilisés. C'est dans les trucs que. Des fois, tu crées des PNJ, ah cool, puis sur papier, tu te dis, ça va être le fun, ils vont pouvoir faire telle affaire avec le personnage, mais finalement, ils sont un peu unicellulaires, ils ont seulement une réplique, puis tu te rends compte, ok, quoi, ils ne servent pas à grand chose finalement. Fait que la mémoire, voyons, est-ce qu'il faut se rappeler avec ça? Donc, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il faut dire oui, ok, tu fais des PNJ, c'est fun, mais il faut quand même leur donner la viande autour de l'os. Il faut leur créer un pu dans la vie. Il faut leur créer aussi des désirs, des trucs qu'ils détestent. C'est toujours bon, ça fait bien. Les créer sur le fly, ça fait bien aussi, mais il faut en prendre d'un bord pour l'autre. Fait que, ben, c'est ça. Si vous voulez interagir et me parler de vos ventes folies, ce serait bien aussi. J'aimerais ça en entendre de ce que vous êtes capable de faire. C'est toujours le fun. Il y a, Guest Star fait. L'étoile va à un de mes amis qui a. Son personnage, il pouvait seulement dormir dans le garde-robe. Fait qu'il se traînait des planches en bois sur son dos, puis la nuit, il montait son garde-robe, puis il dormait dedans. Ouais, ça, c'est le genre de truc anodin, entre guillemets, anodin dans mes parties, que c'est juste drôle, puis c'est le fun. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous souhaite une excellente journée, et soyez sages. Au revoir.